monde, bienvenue à cet nouvel épisode du D-Pad Fucking Cast. La gang, on est rendu à l'épisode 19 dans les studios de C'est pas pour les doux. On est avec Mr. Mick, oui. Mr. Lepage et yes. Mr. Matt. Yes. Je vous ai même pas laissé le temps de répondre, la gang. Je m'en sacre, nous autres, on parle l'épisode. Non, sérieux, ça va, les gars? Oui, yes. Ça va. Oui, oui, oui. On s'invite sur ton show. Exact. Yes, man. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un petit peu plus style radio. Les personnes qui connaissent le D-Podcast sont habituées. Vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup de tunes hot. On a, entre autres, moi, j'ai un bloc de Golden Sun. C'est plus que Golden Sun. C'est plus même Kaamelott, la compagnie qui fait Golden Sun, Mario Tennis et tout. Toi, Mr. Mick, c'est un bloc Chrono Cross Trigger que j'ai bâti. Je vais vous expliquer un peu plus tantôt, mais tu me repasses le relais. Vraiment cool. Toi, Mr. Lepage. On va écouter quelques jeux indie des dernières années, ma petite sélection. Oh, pis toi, Mr. Matt? Moi, je me suis pas cassé le bicycle, là. J'ai fait un bloc Gnignessis, Sega Genesis, tout simplement. Gnignessis, mais toi, t'es pas supposé d'être un Nintendo fanboy? Ouais, c'est ça, mais je commence tranquillement là, à virer mon capot. Quand je vois chez Mathieu, là, il écoute toujours des OST de Genesis. Exactement. Ben, voyons. Au niveau sonore, là, c'est je commence à catcher, là, pis... OK. Ouais, ouais, il y a quoi de plus, là, que... Ah, ben, c'est... Ouais. À quoi de plus? Ça va? Ah, j'ai pas pris mes pilules le matin. C'est comme moi qui se met à dire que Xbox est meilleur que Play 4 pour troller mon chum de gars breton. Mais à Criff, ça va être le plan pour l'épisode aujourd'hui, la gang. En ce moment, on est en train d'écouter la toune Bosque, qui est du jeu Lords of Thunder. Ça vous dit du quoi? Ouais. Ah oui. On a joué pas mal à Lords of Thunder. On avait fait, je sais pas si t'étais là, on a fait le tour. Moi, j'ai fait le tour. Ouais. Matt était là. Oui. Vraiment bon jeu shoot'em up sur Sega CD. Moi, c'est quoi, vous voyez quand je suis pas là? J'ai la version Sega CD. Ça te dit pas, toi, mon Lepage? Pas du tout, j'avoue. Tu checkeras ça si ton RetroPie était supposé d'avoir ça, une copie légale d'un backup. Oui. Ouais. J'ai le backup de ma collection complète. Ouais, un beau backup. Fait que ça va être les plans pour aujourd'hui, le D-Podcast. Sortez-vous une bière, allez vous chercher un petit quelque chose à grignoter, puis on écoute ensemble de la musique, de jeux vidéo, la gang. Vous écoutez le D-Pad fucking cast. Partons le bloc Kaamelott que je vous ai concocté. Right fucking now. Let's go.
Vous écoutez. Le D-Podcast. On vient d'entendre le fameux bloc Kaamelott. Comment vous avez trouvé ça, la gang? Hey, c'était bon, je connaissais pas ça beaucoup. Ouais, moi non plus. Ouais, c'était bien riche. Ouais, beaucoup, beaucoup de variétés, je trouve. C'est sûr, les synthes sont pas mal présents. On entend les dans synthes, j'aime ça. C'est des synthes. Des synthétiseurs. Bref, il y avait justement du Golden Sun 1, du Golden Sun 2, du Mario, je vais vous dire ça en ordre. La dernière qu'on a entendue plus tôt, c'était Shining the Holy Ark, The Dance of Life and Death. Shining the Holy Ark qui est sur Sega Saturn. Moi, je l'ai sur mon Sega Saturn en japonais. Il paraît que c'est un jeu assez dispendieux. Ben, la version US, oui. C'est un peu comme Phantasy Star 1 ou Shining in the Darkness que j'ai fait dernièrement. C'est un dungeon crawler que tu dessines tes maps. En tout cas, À la première personne, les combats, tout. Ah, ouais. Puis t'es à la première personne quand tu navigues dans des donjons. T'as-tu une map quand tu fais sur Start ou quelque chose? Je pense qu'on la voit automatiquement, la map, quand tu te promènes en haut à droite, puis tu vois le progrès que tu fais. Donc, finis les papiers quadrillés. C'est pas grave, on en a une pareille. Juste avant ça, c'était Mario Tennis 64. C'était le thème de l'exhibition. Encore une fois, les synthétiseurs, ils étaient vraiment présents à la Golden Sun. Mr. Lepage, il nous croyait pas que c'était Mario Tennis. Mario Tennis. Fait qu'il se voit, c'est rare que tu associes des jeux de sport avec des bonnes tunes. Surtout les tunes originales, parce que bon. T'as des affaires de EA avec de la musique de licence, affaires comme ça, mais des trames sonores originales, c'est rare que tu associes ça à des jeux. Que tu associes ça. C'était bon en battant, tu trouvais ça pas pire? Oui, moi je trouvais ça pas pire. Avez-vous joué un peu à Mario Tennis? Surtout au 64. Vraiment longtemps. C'est super bon. Juste avant ça, on avait Golden Sun 2. C'était Looking Into the Sun, que je spoilerai pas qu'est-ce qui arrive, mais c'est vers la fin. Une toune qui est un peu la toune thème aussi. Donc, quand on découvre c'est quoi le Golden Sun, on entend cette chanson vraiment magique. J'ai terminé ce jeu-là hier, le 24 janvier 2020. Ooh. Donc, vraiment excellent comme jeu. Et juste avant, on avait Golden Sun 1 Isaac Battle Team. Fait qu'on pourrait continuer avec le prochain bloc. On va aller entendre le bloc. Ah, Mr. Mick, il nous a fait un petit bloc Trigger, Chrono Cross and Everything. Donc, bloc Chrono Cross Trigger. Yes, donc on part ça. Vous écoutez le D-Podcast. Oh yeah.
Vous écoutez le D-Pad Cast. C'était mon bloc, Chrono Cross, Chrono Trigger. Comment vous avez trouvé ça? T'es-tu relaxant, les gars? C'est réconfortant. Pas pire. Moi, j'ai bien aimé. C'est très réconfortant. Pourquoi aimer ça? Moi, je trouve que ça avait un aura d'espoir. Un peu, ça. Oui, ben oui, à cause que là, j'écoute ça moi, sur les lieux du travail. Uh-huh. Faut pas le dire, pour le travail. Mais, faut pas le dire, ça, normalement. Non, c'est de la musique pour un peu... stimuler la productivité, la créativité. La musique pour étudier. Oui, quand même. Non. Ça s'écoute bien. Puis, je voulais mentionner que la toune d'arrière-fond actuellement, c'est Singing Mountain. Singing Mountain. Ça, là, cette toune-là, elle n'a jamais été mise dans le jeu, en fait. Le monde va dire, c'est pas une toune de chrono, ça. Mais c'est ça. C'est une toune de chrono, c'est à cause que cette toune. C'est quoi, donc? Oui, c'est qu'ils ont retiré ce donjon-là avant la sortie du jeu. C'est un vrai B-side. C'est-tu sur la version bêta, dans le fond, de Chrono? Je peux pas dire. Je pense pas. La map existe ça, vraiment. Je qualifie ça d'un hidden gem pour vrai. Là. Puis, c'est ça. Dans le fond, le monde dit que ça serait une map qui aurait été mise là, dans la préhistoire. Il y avait comme une île là, que tu pouvais oui. aller, mais tu ne pouvais pas rentrer. Ça aurait été là. Une super belle track, perdue dans la brume. J'avais mis ça dans le générique. J'avais mis ça dans le générique, oui, quelque chose. Fait que je vous la présente. Fait que c'est un... Hidden Gem! Fait que pour présenter mes tunes, Chrono Cross au début pour avec Home Bulldog. En deuxième lieu, Chrono Trigger avec la Wind Scene. Ensuite, on a encore Chrono Trigger avec Kingdom Trial. Donc, j'ai fait un rap sur Max dessus. Je l'ai mentionné. Pas mal bon. Ensuite, Chrono Cross Dream of the Shore et Chrono Cross Another Termina. Et actuellement, comme je le disais, c'est notre mic break avec Singing Mountain de Chrono Trigger, une toune qui était même pas sur la cartouche officielle. Tu peux remonter le max. Monte le son, je veux la réentendre une dernière fois. Si tu veux fois. La réentendre un peu, écoutons-la un peu. C'est pas beau, hein? C'est très beau. Donc, on va continuer avec Lepage, son bloc jeu indie, je pense. Comment t'as fait ça? On va faire un petit voyage à travers 5 jeux indie là, récents, les 5 dernières années. Ça commence très, très mollo, mais gars, on va sortir de notre cocon. Restez avec moi, ce qu'il y a à faire. Bon, ben, Griff, lançons ça. Vous écoutez le D-Pad Fucking Cast. Let's go, la gang.